Allez, salut les copains. Petit concours de pêche aujourd'hui organisé par le port. Samedi, je sais pas combien on est. Le bof, lui, il va le faire en chasse sous-marine. Moi, avec le binôme, un jour. 7h, 11h. Petit concours de pêche amical avec l'apéro, le repas derrière. Hein, voilà. On va essayer de faire un peu de poisson pour être premier à la peser. Heureusement, le bof, il va faire du poisson au fusil. Ça va compter pour nous. Et puis voilà, on vous dit à de suite. Allez, bisous. Bon, les copains. Les copains, petit concours de pêche. On est, ça y est, on est ancré. On a mis un peu le broumage. Avec des moules écrasées. Jo, il a fait de la moule écrasée. On a acheté un petit bloc congelé de strouille. Oh, voilà, donc petit concours amical organisé par le port. Tous les poissons comptent tant qu'ils sont maillés. Bon, sauf les poissons pour la soupe, hein, les girelles et tout. Alors pour l'instant, grosse pêche pour nous, on est bredouille. Comment ça fait? Ça fait un quart d'heure hein, qu'on pêche, bon, faut le dire. Pour l'instant, on n'a même pas fait un sarang. Alors qu'en principe, ils nous cassent les couilles toute la journée, les sarangs. Ben là, on n'a même pas fait. Hein. Mais on va espérer, pour une fois, je pense qu'on va espérer qu'on va faire des sarangs, non, Christian? Oui. Plein de sarangs, on veut des sarangs. Que ça nous fasse du poids dans la bascule. Ben voilà, ben écoutez, pour l'instant, on a deux cannes à l'eau avec la palangrotte. Avec sardines et crevettes. Palangrotte 3 hameçons. Il y a une chasse juste devant nous. Bon, je vous laisse, on va quand même mettre un jig, on ne sait jamais, Fada. Premier poisson, le deuxième jour, il a fait une girelle. Et là, moi, j'ai fait une sparidée, je pense, parce que ça me tire quand même. Un sarang. Non, gros, non. Tu vas te mettre vite au teignant crevette. Ah oui, un beau chaperon les amis. Un beau chaperon. Celui-là il va faire des points les gars. Celui-là il va faire des points. On va le prendre à la pince pour le montrer à la caméra quand même. C'est peut-être le seul poisson qu'on va faire. Les amis, un beau chaperon, il doit bien faire 500-600 grammes je pense. Voilà, un beau chaperon pour le concours, c'est parti, on continue. Oui, tu gardes tout là, c'est un concours. Allez, on continue. Putain, je crois qu'il m'a piqué en plus. C'est vrai? Ouais, un petit peu. C'est pas grave. Allez. Poisson pour jour, les copines. Poisson pour Jojo, s'il n'a pas perdu, ça serait con pour le concours. En temps normal, on s'en fout, mais pour le concours, putain, au moins. Et puis, je t'ai fait un mot.
par une grotte de boue, Ténia. Voilà les copains. Un gros savoureux, on dirait quoi ce qu'il y a dans sa gueule, tu sais. Ouais, c'est marrant. Il fait du froid celui-là. Yeah les copains. On est toujours en piste dans le concours les gars. Oui, c'est un gros savoureux. Gros savoureux. Là, on continue. La bouche elle sera bordel parce que sinon lui il va nous foutre le bordel. Allez, on continue les amis. Les amis, moi, j'ai mis... Merde, jus de crabe dans le café, c'est con. Un Ténia avec un crabus, un beau crabe. Et là, on va voir. Parti. Les gars, encore un poisson. On s'arrête plus, Fada. Oh, on a le bateau. Il est rempli. Il est rempli de poissons. C'est encore un savoureux alors. Ouais. I feel so ashamed.
Encore une saison. Ouh, quoi le culé. Encore une 5 euros, les amis. Ça compte dans la balance. Fatigué d'avoir l'air fatigué? Hydra énergétique de L'Oréal Men Expert. Faut hydrater, énergiser. Nickel, comme après une bonne nuit de sommeil. Les gars, encore un 5 euros, hein. Ça compte. Et que des 5 euros la sardine. Voilà les amis, fin de concours, on a récupéré le bof, le plongeur. Bon, pas fait grand chose. Ouais, pas fait grand chose, quelques poissons. On doit avoir peut-être 2 kg de poissons. Non ? Ah, peut-être 3. Peut-être 3 kg de poissons. J'ai pas vu ce que vous avez pêché. Voilà, bon, on va faire une petite photo de fin. Ouais, concours très court, hein, 7h, 11h, le temps de se mettre en place, 7h30, 10h30 on va dire, 3 heures de pêche. Là, on rentre au port, la pesée, et après l'apéro. Voilà, bah, écoutez, on vous fait un bisou, et à bientôt. Allez, bisous. Les amis, ça y est, on rentre à la maison, on a fait un bel apéro. Alors résultat des courses, on a fait la pesée bien sûr, on a fait 2 kg 7, un peu plus, 2 kg 745 exactement.
On n'a pas fini premier, hein, bien sûr. On a fait... on n'était pas dernier. Après, c'était beaucoup de poissons à la soupe. Hein. Les girelles, les sarans, enfin, tout ce qui rentre dans la soupe, hein, des petits poissons. Mais bon, c'est... Ils ont gagné, hein, ils ont gagné, ils ont fait premier. Beaucoup de pêcheurs qui ont pêché la soupe, mes beaux-parents aussi ont beaucoup pêché. Ils ont fait une belle pêche. Donc voilà, écoutez, on a quand même passé un super moment. Donc là, on a fini l'apéro, hein, le Ricard au soleil nous a fait mal. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je voulais vous faire partager ce bon moment qu'on a passé ensemble avec mon cousin Jo et le beau-frère. Le beau-frère fera mieux la prochaine fois. Chasse compliquée. D'habitude, il fait des beaux poissons, ce con. Hein. Et putain, juste le jour du concours, il va rien nous faire. Que les poissons de roche. Enfin, c'est pas grave. La prochaine fois, il nous fera gagner. En attendant, je fais un bisou à Jo, le cousin, le binôme de pêche. Un bisou au beau-frère aussi. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye. Bis les copains. Ah oui, j'oubliais. Il y a eu aussi donc le concours de pêche, hein, qui c'était au poids. Avec des poissons maillés bien sûr. Et il y avait aussi un deuxième concours en parallèle avec le plus gros sar. Et le plus gros sar, il a été fait par un chasseur de... Une équipe de chasseurs, deux frères de Loussard. Nicolas et Julien, les chasseurs de sous-marins de Loussard, qui faisaient partie des chasseurs du concours. Voilà, Nicolas et Julien, une très belle pêche avec des jolis poissons, dont le plus beau sar du concours. Voilà, bravo à eux. Je vous embrasse les gars, félicitations.